Bienvenue à votre émission sur le rêve et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir au travers de cette émission, qu'elle puisse affranchir plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve des réponses et des solutions. Sers-toi de nous comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler sur le rêve de l'esprit de pauvreté. Comment, au travers les rêves, détecter l'esprit de pauvreté. Bien-aimés, nous allons lire dans le psaume 72, le verset 12 à 13. Car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Dieu veut sauver les pauvres. Dieu veut délivrer les pauvres qui est sans secours. Donc la pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais il y a des rêves qui montrent que quelqu'un est combattu par l'esprit de pauvreté. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Beaucoup de ceux qui souffrent des attaques de l'esprit de pauvreté, des dettes, des difficultés financières, ces attaques ont commencé dans les domaines de rêve. Bien aimé, c'est important que nous puissions discerner nos rêves. Car les rêves contiennent des messages. Les rêves peuvent montrer qu'il y a un « ça ne va pas ». La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien-aimé, tes rêves révèlent tes combats. Et même les types d'esprits qui sont en train d'agir dans ta vie. Toute chose commence d'abord dans le monde spirituel. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans la pauvreté parce qu'ils ont négligé leurs rêves. Je me rappelle une maman qui nous avait suivi. Elle faisait souvent les rêves de vol des sacs à main. Mais à l'époque, les choses marchaient pour elle. Et elle a négligé cela. Après un certain temps, elle a commencé à vivre des blocages, Jusqu'à ce que quand elle va suivre notre vidéo, elle va comprendre, ah, c'était ce que je voyais dans le rêve. J'ai prié Dieu qu'au travers les rêves, que tu puisses capter les messages et t'élever dans la prière pour ta délivrance et la délivrance de ta famille. Il y a des rêves qui montrent que quelqu'un est combattu par l'esprit de pauvreté, de dette, des difficultés financières. Quels sont ces types de rêves? Premier rêve, type de rêve de pauvreté. Rêvez que vous êtes en train de dépenser l'argent exagérément. Cela me dit que tu es en train de dépenser tes bénédictions dans le monde spirituel. Quand tu rêves que tu es en train de dépenser exagérément, à la fin, tu vas te retrouver, tu n'as plus rien. Il y en a qui ont dépensé leurs richesses dans le monde spirituel. Et conséquent dans le physique, il n'y a plus rien. Le rêve où tu vois, tu fais des dépenses d'une façon exagérée, ça montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Deuxième type de rêve, le rêve où tu vois ta maison, ta voiture, tes biens de valeur être vendus, où on t'arrache cela, c'est le rêve que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait vécu dans le rêve. C'est bien de valeur être vendue dans le marché. Mais elle n'avait pas compris le message. Et par après, elle s'est retrouvée dans
beaucoup de difficultés financières. Je prie Dieu que ça ne soit pas trop tard pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, les rêves montrent les choses qui se passent dans le monde spirituel. Et n'oubliez pas, tout commence dans le monde spirituel. Si tu vois dans les rêves, on saisit ta maison, on ravit ta voiture, tes bijoux, cela montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Troisième type de rêve, porter des habits sales, déchirés, anciens, ou porter des habits comme un sans-abri, comme un mendiant. Cela montre que spirituellement, la personne est combattue par l'esprit de pauvreté. Le rêve où l'on mendie, c'est le rêve qui montre que la personne est combattue par l'esprit de pauvreté. Cinquième type de rêve, les rats. Si tu vois dans tes rêves les rats, sachez que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Bien-aimé, les rats sont des rongeurs. Leur présence dans tes rêves montre qu'ils sont en train de ronger ta richesse d'une façon spirituelle. Tu dois t'élever dans la prière. Arrêter ces rats-là et les détruire au nom de Jésus. Donc quand tu vois les rats dans les rêves, régulièrement, sache que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Sixième type de rêve, marcher pieds nus ou porter des chaussures trouées. Quand tu vois dans tes rêves que tu es en train de marcher pieds nus, de porter des chaussures trouées, sache que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Bien aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu veut te délivrer de l'esprit de pauvreté. Toujours c'est trop, l'heure de ta délivrance a sonné au nom de Jésus-Christ. Septième type de rêve. Ramasser les choses dans les poubelles. Quand tu vois dans le rêve que tu es en train de fouiller les poubelles, mais ramasser les choses dans les poubelles, sache que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Huitième type de rêve, perdre de l'argent dans le rêve. Quand tu vois dans le rêve que tu es en train de perdre de l'argent, c'est l'esprit de pauvreté qui est à l'œuvre. Neuvième type de rêve, recevoir l'argent sale, l'argent déchiré ou l'argent non utilisé. Par exemple, chez nous, tu rêves que quelqu'un te donne les billets des anciens Zahir, les billets des Zahir. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Ou tu rêves que quelqu'un te donne le franc français. C'est le signe que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Recevoir de l'argent des inconnus ou des gens décédés. J'ai reçu des cas d'un frère comme ça qui recevait régulièrement de l'argent d'un de ses oncles décédés. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons détecté l'esprit de pauvreté dans ses finances. Il y avait la mort financière. J'ai pris Dieu à la fin de ce message que l'esprit de pauvreté puisse être détecté, arrêté et détruit au nom de Jésus. Onzième type de rêve de pauvreté, vol des sacs, de porte-monnaie, des carnets de chèques ou des cartes bancaires. Quand tu vois dans tes rêves, on te vole les sacs, on te vole les porte-monnaie, on te vole les cartes bancaires, on te vole les carnets de chèques, c'est que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. J'ai reçu à l'église le cas d'une femme à qui on volait chaque fois les sacs à main où il y avait de l'argent. Et cette femme était remplie de dettes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de prêt, mais il est aussi un Dieu de loi. Des lois où tu nous suis, il est capable de te libérer.
Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus. Toi qui es touché, toi qui vois ce phénomène dans les reins, nos numéros sont en bas de votre écran. N'hésite pas à nous contacter pour que nous puissions terminer dans le processus de la délivrance. 12e type de rêve, ramasser les pièces d'argent. Ça, c'est un rêve que beaucoup de gens font. Et la plupart des gens qui font ce rêve de ramasser les pièces d'argent sont toujours dans des difficultés financières. 13e type de rêve de pauvreté, voir les portes de la banque fermées ou être dans la queue. Et quand c'est ton tour, on dit qu'il n'y a plus l'argent. On refuse de te servir. C'est le signe que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. 13e type de rêve de pauvreté, être dans le distributeur, être devant le distributeur automatique. Faire entrer sa carte, mettre le code et l'argent refuser de sortir. Ou mettre le code, ça écrit le code erroné. Ou tu es devant le distributeur automatique, il y a la panne d'électricité. C'est le signe que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. 14e type de rêve de pauvreté, l'étoile d'araignée dans le rêve. Si tu vois régulièrement dans tes rêves l'étoile d'araignée, dans ta maison, sur ton bureau, sur les mains, sache que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. L'étoile d'araignée, c'est le blocage. Et ce blocage va s'étendre aussi dans le domaine financier. 15e type de rêve de pauvreté, les rêves des excréments, voir les matières fécales sur la terre, ou sur ton corps, ou marcher sur les matières fécales, c'est le signe de l'esprit de pauvreté et de blocage. Le sol ou la terre, c'est là où nous sommes. Quand tu vois dans tes rêves partout, sur le sol, les matières fécales, ça veut dire qu'on a maudit ton sol. Quel que soit ce que tu peux faire, il n'y aura pas le succès, il n'y aura pas la réussite. Combien de gens font ces rêves-là? Et quand vous commencez à parler avec eux, vous voyez que la personne fait des efforts. Mais il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. L'heure de ta délivrance a sonné, mon frère, ma soeur. Jésus veut te libérer. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, les rêves sont comme les moniteurs de télévision. C'est comme l'écran de télévision. Ça montre les choses qui se passent dans le monde spirituel. Si tu ne fais voir que dans tes rêves de caca, partout dans le sol, ça veut dire que ton sol est maudit. Ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. 18e signe de rêve de pauvreté, voir les urines par terre ou uriner dans le sol. Quand tu urines par terre ou tu vois les urines par terre, c'est le signe que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. 17e rêve de pauvreté, voir tes ennemis, prier sur ton argent ou parler sur ton argent. Quand tu vois dans tes rêves les personnes que tu n'aimes pas, les personnes qui te combattent, tenir ton argent, dire des paroles sur ton argent, c'est le signe que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire les paroles qu'ils sont en train de dire sont des paroles de malédiction. Quelles sont les conséquences de rêves de pauvreté? Première conséquence, la souffrance financière. Deuxième conséquence, les blocages financiers. Troisième conséquence, les dettes. Vous êtes nombreux, être endettés, au point où vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que vous êtes combattus par l'esprit de pauvreté. Pénurie et manque, malgré un bon salaire ou un bon revenu. La plupart des gens, quand je parle avec eux, ils me disent, pasteur, j'ai plus de 2000 euros le mois, j'ai plus de 1 500 $ le mois. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Toujours des factures, toujours des dettes à payer à gauche, à droite, toujours dans le manque. Ils disent, pasteur, ça vient, mais ça part. Pourquoi? Parce qu'ils sont combattus par l'esprit de pauvreté. L'heure de ta délivrance a sonné au nom de Jésus. Jésus veut te libérer de l'esprit de pauvreté au nom de Jésus.
faillite dans les affaires. Vie de mendicité et d'assistance sociale. La personne qui est combattue par l'esprit de pauvreté, on va remarquer une vie de mendicité, une vie d'assistance sociale. Je parle à toi, ma soeur. Ça fait plus de 5 ans. Tu ne vis que des aides sociales. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et quand tu regardes l'intérêt, chaque fois, on te remet de l'argent sale. Jésus veut te libérer au nom de Jésus. L'heure de ta délivrance a sonné. Doute de tes doutes et contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Le Seigneur nous a ouvert pour libérer les captifs. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Comment vaincre le rêve de pauvreté? Première chose, tu dois être né de nouveau. Et tu dois vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu dois t'éloigner du péché. Tu dois mettre fin à la malhonnêteté financière. Tu dois arrêter avec le vol, arrêter avec l'escroquerie, mettre de l'ordre dans sa vie. Deuxième chose, tu dois briser les alliances et les malédictions de pauvreté. Il y a des alliances de pauvreté. Il y a aussi des malédictions de pauvreté. Il y a beaucoup qui sont ici des familles où on a vendu la richesse. Il y a beaucoup, en recevant l'argent dans les rêves, ils ont fait alliance dans le monde de ténèbres avec l'esprit de pauvreté. En faisant des sacrifices, en donnant l'argent avec quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, tu as fait alliance avec l'esprit de pauvreté. Tu dois briser, tu dois renoncer à ces alliances. Tu dois briser le pouvoir de ces alliances au nom de Jésus. Mais il y a aussi les malédictions financières. On a déclaré des paroles sur toi. On a déclaré des paroles sur tes finances. Jamais il n'aura la stabilité financière. Même s'il a l'argent, il n'en fera rien. L'heure est arrivée où tu dois annuler ces malédictions-là au nom de Jésus. Parole contre parole. Tu dois détruire et annuler les malédictions financières au nom de Jésus. Tu peux prendre un temps de jeûne et prière pour briser les alliances de pauvreté. Pour annuler, pour détruire les malédictions de pauvreté. Troisième chose, tu dois prendre la décision d'honorer Dieu dans les offrandes et dans les dîmes. Malachie 3:10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il y a un domaine où Dieu a dit que nous puissions le mettre à l'épreuve. C'est le domaine de l'argent. En donnant la dîme, en donnant les offrandes, tu es en train de combattre et de vaincre l'esprit de pauvreté. Tu dois être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Beaucoup donnent, mais pas régulièrement. Ce qui compte, c'est Dieu. C'est la fidélité. Tu dois être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes si tu veux vaincre l'esprit de pauvreté. Quatrième chose, tu dois renouveler ta pensée par la méditation de la parole de Dieu. Tu dois prendre le temps de méditer les promesses de Dieu, de croire aux promesses de Dieu concernant la prospérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut notre prospérité. Dieu prend plaisir à notre réussite. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois enlever la mentalité de la pauvreté. Le plan de Dieu pour nous, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Dieu veut notre abondance. Il ne veut pas que nous puissions avoir les justes et justes. Non, la pensée de Dieu pour nous, c'est l'abondance. Que tu puisses avoir de quoi à pourvoir à tes besoins et aux besoins de ceux qui sont autour de toi. Je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer de l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Ça commence par la pensée. Tu dois renouveler ta pensée en lisant la parole de Dieu, en méditant les promesses de Dieu concernant la prospérité, concernant les finances. Cinquième chose, enfin, tu dois travailler dur. Tu dois faire quelque chose. Ne croise pas le main. Tu dois travailler, tu dois chercher. Tu dois entreprendre. Dieu bénit ceux qui travaillent. La bénédiction de Dieu vient sur l'ouvrage de nos mains. Quand tu ne fais rien, tu bloques la bénédiction financière de Dieu. Je vais prier pour toi qui a été touché.
toi qui vis les attaques dans le rêve de l'esprit de pauvreté, toi qui es endetté, toi qui es dans les difficultés financières, toi qui n'arrives pas à payer les loyers, je vais prier pour toi. Toi qui n'arrives plus à prendre soin de ta famille comme il faut, je vais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple qui a suivi cette émission. Beaucoup sont combattus par l'esprit de pauvreté. Beaucoup font les rêves où ils sont dépouillés, où ils sont volés, où on va leur bien, Père des races. D'autres sont en train de voir des matières fécales. Éternel, tu es le Dieu de délivrance. Je les amène auprès de toi, Papa. Maintenant, par l'autorité que me confère ta parole, toute alliance que nous avons fait, que nos parents ont fait, consciemment ou inconsciemment, je viens briser cela au nom de Jésus. Je viens briser cela au nom de Jésus. L'alliance de pauvreté qui condamne mon frère et ma soeur, j'ai brisé cela au nom de Jésus. J'ai brisé cela au nom de Jésus-Christ. J'ai brisé cela au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction de pauvreté soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Malédiction de pauvreté sur mon frère, sur ma soeur, soyez brisée maintenant au nom de Jésus. Soyez brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de pauvreté, je te lis, je te chasse au nom puissant de Christ. Libère mon frère, libère ma soeur au nom de Jésus-Christ. Je te chasse à leurs finances, je te chasse à leurs activités au nom puissant de Christ. Soyez libérés de l'esprit de pauvreté. Soyez libérés des alliances de pauvreté. Soyez libérés des malédictions de pauvreté au nom puissant de Christ. Seigneur, j'appelle maintenant ta bénédiction sur mon frère, ma soeur. Il est écrit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il a fait suivre nos cas chagrins. Que ta bénédiction descende sur mon frère. Que ta bénédiction descende sur ma soeur au nom de Christ. Laisse que l'ouvrage de leur main puisse être béni. Qu'ils puissent prospérer à tous égards. Qu'ils puissent voir des portes ouvertes au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Fini les fausses affaires. Fini la vie des dettes au nom de Jésus. Je prophétise les relèvements. Je prophétise la réussite. Je prophétise les portes financières ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Panty. Demeurez bénis. À la prochaine pour la suite de ces émissions. Amen.